Bonjour Christine de l'amour en soi, j'espère que vous allez bien. Eh bien, on se retrouve ce lundi matin, début de semaine, pour notre carte quotidienne, notre petit rituel journalier. Ce matin, j'ai décidé d'utiliser l'oracle des animaux, le langage secret des animaux également, exactement, qui est là. Voilà. Parce que les animaux ont souvent de beaux messages à nous transmettre également. Généralement, quand on a un animal qui se présente dans notre vie, il y a souvent un enseignement à en tirer et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Quel animal a besoin de nous apporter sa médecine aujourd'hui? Qu'est-ce que nous avons à comprendre pour cette journée du lundi? Cette semaine qui commence. Alors, nous, sous la pluie dans le sud. Mais je crois qu'on a la pluie jusqu'à mercredi. Mais bon, ça fait du bien à la nature, ça me dérange pas de toute façon. Au contraire, j'aime bien les odeurs aussi qu'apporte ce temps de pluie. Comme j'ai un petit peu d'arbres derrière la maison. Alors, oula, toutes les cartes sautent, on va se calmer. Donc, quel est l'animal, quel est l'animal dont on va recevoir la guidance aujourd'hui. Allez, je vais tirer une carte. Voilà, celle-ci. Hop, pardon, je vais tout bouger, mais c'est pour vous éviter de la brillance. Alors, je vous ai mis des petites fleurs qui ne sont pas des vraies, malheureusement, pour un petit peu apporter de la couleur. On va essayer de mettre, hop, notre carte comme ça. Vous la voyez bien. Voilà. Et on va voir donc quel est l'animal qui nous adresse son message aujourd'hui. Donc, c'est le caribou. Persévérance, débrouillardise, mouvement. Détermination. Alors, je vais vous lire la carte du caribou, donc qui est la carte numéro 14, pour savoir qu'est-ce que nous avons à apprendre. Voilà, allez, je vous lis la carte. Un vent de neige souffle sur les terres arctiques, faisant chuchoter les anciennes forêts. Le caribou, de tête, se redresse, sentant le moment venu pour sa horde de se déplacer. Un bruit lointain le met en mouvement. Il se met en marche et les autres suivent. Tandis que nombre d'animaux hibernent, blottis les uns contre les autres, le caribou court et court en bande. Son autorité, sa conduite, s'imposent à tous. Honoré par les lapons comme une source sacrée de subsistance et de partenariat, le caribou est vénéré pour sa sagesse, sa créativité et son inventivité. Peu sont aussi bien équipés que lui pour survivre aux rudes conditions climatiques du Grand Nord. Une fourrure isolante pour l'abriter de l'eau glaciale, un museau robuste pour creuser dans la neige et déterrer la nourriture, de larges sabots concaves pour marcher sur la glace, deux estomacs distincts pour emmagasiner la nourriture et deux systèmes circulatoires pour conserver la chaleur durant l'hiver. Le mâle et la femelle caribou possèdent tous deux des bois, montrant par là que tous deux sont des guerriers, et ils les perdent durant les mois d'hiver pour transporter moins de poids. Se nourrissant de mousse et de lichen, dans les sous-bois, les caribous sont liés à l'histoire sacrée du sol qu'ils arpentent et à tous ceux qui sont venus avant eux. Leur déplacement honore les saisons et le besoin changeant de la grande horde. Quand deux caribous mâles se disputent le droit de mener la horde, le plus grand danger est que leurs bois s'entremêlent et les emprisonnent l'un à l'autre, les laissant ainsi incapables de se nourrir. Donc voilà, ça c'est l'histoire du caribou, pour vous présenter l'animal, que vous sachiez, que vous le connaissiez un peu. Et le message, le voilà. Il existe une saison pour toute chose.
un temps pour la solitude, un temps pour le rassemblement, un temps pour l'immobilité, un temps pour le mouvement et l'action. La richesse de la vie réside dans son équilibre et le caribou possède ce talent. Son message est de vous fier au cycle de vos saisons, de rendre hommage à l'expression de ce que vous êtes. Quand il est temps de vous reposer, accordez-vous des vrais soins de rajeunissement. Nourrissez-vous jusqu'à ce que votre coude coupe déborde naturellement. Quand il est temps de bouger, laissez vos actions jaillir de votre appel intérieur. Agissez avec confiance et engagement, sachant que vous atteindrez votre but. Vous êtes capable de bien plus que vous ne le pensez. Le caribou apporte force, débrouillardise et résilience à votre voie. Sachez que vous avez en vous tout ce dont vous avez besoin pour renverser les obstacles qui pourraient se présenter. La route ne tournera pas exactement comme vous l'aviez imaginé, mais chaque défi relevé apportera la découverte de nouveaux talents, de nouvelles ressources et de nouveaux aspects de vous que vous n'auriez pas connus sans cela. Une fois éveillé, ces talents resteront vôtres pour toutes les saisons à venir. C'est le don du caribou. Activez les talents cachés, les ressources infinies qui émergent quand vous épousez le chemin qui les exprime pleinement. Le caribou équilibre les moments de solitude avec les moments de collaboration avec la horde. Le temps est peut-être venu pour vous de vous affirmer en tant que leader et d'inclure autrui dans votre parcours. Le talent du caribou est de montrer par exemple, mettez les autres en action en posant les actes inspirés. Le seul obstacle qui pourrait se présenter serait de croiser les bois avec d'autres. Prenez position, mais progressez en paix et veillez à choisir une voie qui rend hommage à tous. La vie est mouvement. Épousez les saisons de votre âme. Dans l'immobilité et le mouvement, dans le silence et l'expression, dans la solitude et l'intimité, je rends hommage aux saisons de mon âme. Voilà, donc la sagesse du caribou vous invite aujourd'hui à vous écouter et à prendre le temps qu'il faudra quand vous avez besoin de repos et d'être dans l'action quand vous sentez que c'est le moment, mais surtout de vous écouter, d'écouter votre âme et de puiser dans cette force intérieure que vous avez. Voilà, donc pour la carte du jour avec le caribou, je vous souhaite un très bon lundi, une belle journée. Et puis portez-vous bien, puis on se retrouve demain pour la carte du jour. À demain, bonne journée, au revoir.